Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance et on chasse des lièvres. Ah oui, toi t'es capable de TP les lapins, je vois. Pour... Non, et mon chien il leur fait peur, reste ici, parlez. Ah, je peux On dire va chasse du chasser, gibier? hein? Un lièvre. Mais il est trop fort! Il est trop fort, mon chien! Donc j'ai 43, il me faudrait un lièvre de plus. Alors c'est très gentil, mais je l'ai vidé celui-là. Peut-être reparler à mon chien. On va chasser un lièvre. Tu le tues et tu me l'apportes. Ok? Alors, il a pas l'air d'en avoir senti. Non, je peux essayer d'avoir à l'arc, hein, c'est pas un souci. Je sais pas s'il est passé en mode chasse ou s'il va falloir que je le redéclenche si je vois un lièvre à proximité. Il court plus vite que le lièvre, donc il arrive à l'attraper assez facilement. On est en fin de journée, j'espère que j'aurai le lièvre avant la tombée de la nuit. Ça, c'est dense comme forêt. Je serais pas très surpris si notre bandit tanneur était dans le coin. Il est capable d'attraper un cerf. Bon, je chasse un peu tout, hein, pour m'entraîner. J'ai pas un très bon angle. Là, on est beaucoup mieux. Ah, faut que j'arrête de tirer trop, mais... Heureusement qu'il fuit pas à chaque flèche, sinon ce serait vraiment compliqué. Je tire encore trop haut. J'ai de la force maintenant, je tire vachement haut avec mon arc. Hop! Bon alors moi j'ai perdu mon chien de vue. Ah, mais voilà un lièvre. Vas-y, 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 mais attaque! Alors, chasse! Votre chien est épuisé après sa chasse, ok. C'est pas grave. En plus, il a loupé son coup, mais. Alors, nourriture. Rejoins le cheval. J'ai 23 plus 46. 69. Et il m'en faut
60. Ok. On retourne à l'auberge. Il y a encore un lièvre ici ou c'est celui que j'ai tué tout à l'heure? Il y a encore un lièvre. Ok. Bon, on va pas se fatiguer avec. Ah, il y a plein de lièvres. On est dans un coin qui est assez dense. J'aimerais quand même jeter un coup d'œil histoire de voir si jamais par hasard on tombe pas sur lui. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un nom. Je suis un peu perdu quand même. Alors voilà un chemin. Je pense que c'est un chemin que je ne connais pas encore. Je n'étais jamais venu à cette intersection. Et il y a un moulin là-haut. Ça, je crois que je sais. Le moulin, ça doit être celui-là. En fait, il faudrait que je longe la rivière puisque l'Edetchko est le long du fleuve. Mais quelle rivière? Faut que je descende en tout cas. Madame, ça va pas? À l'attaque. Oh là là, la sale... La sale teigne. Mince. Ah, j'ai pris une flèche. Ah non, c'est ma flèche à moi. Donc madame, comme ça on me dénonce. J'arrive pas à me venger de la dame. Mince, c'est pas tout à fait droit ça. Mince. On est perdu, mec? Vous êtes qui? Ah, tu m'avais perdu de vue? Qu'est-ce que... Oh, j'espère que j'ai pas touché mon chien quand même. Allez, grimpe. Oh, saleté. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Viens par ici, bleu. Tout ce que tu sais faire. Je suis sur je sais pas qui. Un campement. Ah. Ah, oh, j'ai pas eu la tête. Je crois que ça va me plaire. Alors, c'est plaisant? Yes, j'en ai eu un. What? J'ai passé à travers? Reviens là toi. Ok. J'ai perdu un peu de temps et je ne sais plus exactement où est l'autre. En tout cas, on va transférer à mon cheval. Ah, il peut pas prendre, c'est pas grave. C'est par là? Oh, je suis encore plus perdu qu'avant. La
trouvé quelque chose. Il y avait un truc là. Peut-être un truc à ramasser. Ah, c'était à côté du campement. Oh! Il est encore en mode chasse, le chien? Faut croire. Toujours le même campement qui attire mon œil. Ah, j'étais par là. Bon, j'ai loupé un des deux corps, c'est pas gravissime. Il a encore attrapé un lièvre. Il est trop fort. Alors c'est vous, madame, qui m'avez piégé. Hein? Non, je suis pas très très bon. Vous m'avez fait tomber dans le piège de vos copains les bandits. Hein? Honte à vous. Piéger les voyageurs. Mince. Elle est increvable. Ok. Moi je m'arrête pour vous secourir et vous, vous me tendez un piège. Yeah. Yeah. Bon, avec toutes ces bêtises, je sais pas si je vais arriver avant que l'auberge est fermée. Quoique les auberges ferment tard, ça devrait arriver après le coucher du soleil. Mais faut pas que je me perde trop. Yeah, de l'eau. Il me reste plus qu'à savoir de quel côté je dois aller. On voit mieux d'ici. Pas vraiment. En revanche, il y avait un accident. Ça, c'est un point de repère sur la carte. Ah bah, visiblement, je suis... Oh mince, c'est là. Ouais, je m'attendais pas à descendre à cet endroit de la rivière. Bah, je peux longer, hein. Donc, je viens de là-haut. Ah. Jamais cool de prendre une branche. Donc on a dit à gauche. Je vais juste faire une petite vérification. Ouais, à gauche. Alors, un instant d'interruption, je suis à nouveau là. Un nouvel accident.
Bon, je ne peux pas traverser à la nage, ni tout seul, ni avec mon cheval, ni mon cheval tout seul. Donc je suis obligé de rester là où mon cheval à pied. Et en même temps, faut pas que je me prenne une branche, sinon je trébuche, je tombe. Ah mince! Là je peux traverser, c'est assez bas. C'est trop profond ici. Ouais, je sais. Hop. Bon, maintenant c'est clair, il fait nuit. Alors, vu tous les cailloux, c'est un passage à gué ici. Yep, il y a même une petite plage. Ce qui m'embêterait vraiment beaucoup, c'est que l'auberge soit fermée. Ouais, ouais. Pardon. Allons-y plus doucement. Que l'auberge soit fermée et que mon lièvre pourrisse pendant la nuit. Pour moi, c'est vraiment le pire scénario. C'est un peu étonnant qu'on voit pas déjà les discos. Ah bah là, voilà. Ça doit être une maison là-bas. C'était clairement pas le chemin le plus court, mais au moins c'est un chemin que j'ai réussi à suivre. Quasiment rien, je vais reprendre ma torche. Alors. Ah bah voilà l'auberge. Nickel. Il est encore là. On va supposer que c'est encore ouvert du coup. Toc toc. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Eh bien, j'ai le gibier. Formidable. Ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Inek ? Bah, où il est ? Il paraît que Inek a un repère dans les bois qu'il utilise pour la chasse. Vous savez où il est ? Pas exactement. En fait, je sais pas du tout où il est. Mais je sais que c'est un endroit sombre. Une grotte ou une vieille galerie. Comment le savez-vous ? À chaque fois que le flaireau partait braconner, il passait me prendre des bougies et de l'huile de lampe. De plus, il rapportait son gibier vidé et dépecé. Et il a besoin de lumière pour ça. Quelle quantité de gibier vous ramenait-il ? Pas beaucoup, quelques pièces. La demande n'est pas très forte par ici. Parfois, des bourgeois en demandent. Sinon, ça finit en saucisse. Ok, ok. Vous savez s'il y a une galerie de mine dans le coin ? Il y en a quelques-unes aux alentours. Il y en a une de l'autre côté de la berge, pas très loin du sentier qui mène à la forge vers l'ouest. Il y a aussi une galerie à l'est du village, dans les bois qui surplombent la falaise. Et on m'a dit qu'il y avait une galerie sur la butte, tout près de l'eau. Merci. Avec plaisir. Mais n'allez pas vous briser la nuque. Le sol est escarpé. Vous pourriez facilement trébucher dans un puits. Ok, ok. Est-ce qu'il m'achèterait du gibier ou pas ? Yep, très bien. Parce que figure-toi que... Alors la viande de chevreuil, il va pas me l'acheter à un grand prix, mais j'ai pas mal de viande de cerf. Et
Il me la prend à 2. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça me permet quand même de faire un échange avec, par exemple, un peu d'argent et un snap du sauveur. Nickel. Alors, bon, on va dormir ici. Y a-t-il un endroit? Oui, jusqu'à quand? On va tout de suite acheter 200, très bien. Voilà, tenez. Vous allez vous plaire. Pardon, hop, alors. Où est ma chambre? C'est facile. Dès que vous entrez, vous verrez une porte tout au bout de la pièce qui mène à votre chambre. Tout est déjà prêt pour vous accueillir. Ok, c'est noté. Une petite partie de dés, ensuite j'irai dormir. J'espère et on arrêtera l'épisode. Vous aider, chevalier. Et si on jouait au. Ah, tu peux miser que 13. Ah, je suis désolé, mon gars, mais pour 13. C'est un honneur. Bon, j'ai épuisé toutes les options de dialogue. Meunier Olivier. Je suis à votre service, noble chevalier. Bon, je pense que j'ai épuisé toutes les options de dialogue avec tout le monde. Ben on va juste dormir du coup. Je suis désolé, ça fait un épisode un peu plus court. Ici, ça doit être ma chambre. Logis, en effet. Hop. On va faire un peu de place sur mon cheval. Décoction de soucis, j'ai peut-être pas besoin de regarder autant. Faudrait que j'utilise sinon, mais. Alors, inventaire. J'ai du chou, je le mangerai à l'occasion. Bien voilà. On est bon. Est-ce que j'ai des trucs à réparer? Est-ce que je suis lourd? Pas tant que ça. Est-ce que j'ai des trucs à réparer? Un petit peu. Ok, au dodo. Jusqu'à ce qu'il fasse jour plutôt. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.